chapter 10. Mark chapter 10. Verset 28 à 30. Verse 28 to 30. Le thème de mon message c'est la récompense de la justice. The topic la récompense du juste. The topic of my message is the reward of the just. Ou the righteous. Of the righteous. La récompense du juste. The reward of the righteous. Allons-y. Mark 10, 28 à 30. Mark chapter 10, 28 to 30. Est-ce qu'on peut lire ensemble sur le tableau? Shall we read together? Pour ceux qui ont la Bible, 1, 2, 3. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons quitté. Et nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa saison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses pères, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des pères, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. J'ai envie de fortifier la foi de quelqu'un. I want to strengthen somebody's faith. Et j'ai envie d'introduire quelqu'un. And I want to introduce somebody. Dans sa récompense. His or her reward. Alléluia. Amen. Aïe. Oh yes. Dis à ton frère, il y a affairage dans cette affaire. Il y a affairage dans cette affaire. Dis à ton frère, dans l'affaire de Jésus. Tell your brother, in Jesus' business, y a récompense de temps. There is a reward. Amen. La voix du diable qui a envie de te décourager. The voice of the devil that is trying to discourage you. Tu n'as pas raison de vouloir écouter ça. You have right to try and listen to it now. Tu es déjà presque au bout. You're nearly almost at the end. Tu es déjà à côté de la récompense. La Bible déclare, the Bible declares, que un temps est arrivé, and it came a time, l'apôtre Pierre, Apostle Peter, a regardé Jésus, looked at Jesus, et a dit Jésus, and told him Jesus, moi Pierre, I Peter, Simon, Simon, avant de te connaître, before knowing you, j'avais mon business, I used to have my business, j'avais mon entreprise. To have my company. Tout marchait pour moi. Everything was working well for me. J'étais très connu en Galilée. I was well known in Galilee. J'étais le plus grand pêcheur et le pêcheur le plus respecté de la Galilée. I was the greatest fisherman in Galilee. J'avais de quoi manger. I had food on my table. J'ai une femme et des enfants. I have a wife and children. Je suis un homme noble et respectable. I am an honorable man. Mais Jésus, but Jesus, depuis qu'on t'a suivi là, ever since we started following you, c'est comme si y a eu un basculement total dans ma vie. Style of things have gone upside down in my life. À cause de toi, because of you, je ne peux plus escroquer. I can do people anymore. À cause de toi, because of you, je ne peux plus faire la modèlerie. I can sleep with men. À marcher avec toi, papa. Walking with you everywhere. Jésus, Jesus, il y a affaire. There is business. Dans cette affaire. In this business.
La preuve. La preuve. Quand Jésus est mort, when Jesus died, et que le gars n'a pas vu clair, and that the guy didn't see clear, he went back. Il est retourné pêcher les poissons. He went back fishing. Amen. Pour que vous compreniez, but you to understand, à quelle dimension il était désespéré et qu'il déprimait. How desperate and oppressed, depressed he was. Je n'entends pas de... Il y a des personnes ici ce matin. People here this morning. L'esprit de Dieu m'a mené pour te dire. The spirit of God has brought me to tell you. Que ta récompense sera grande. That your reward shall be great. Et que ta récompense est proche et c'est maintenant. And your reward is very close and it is now. Tu ne dois pas compromettre ce que tu as commencé. Compromise what you started doing. Ce que tu as refusé à cause what de Jésus. What you refused because of Jesus. Continue à refuser. C'est vrai, tu ne manges plus comme avant. It is true, you don't eat as before. C'est vrai, tu ne t'habilles plus comme avant. It is true, you don't dress as before. Satan veut te décourager. Satan wants to discourage you. He wants to tell you that you were mieux sans Jésus. And you were better without Jesus. Mais laisse-moi te dire. But let me tell you. Jésus a dit. Jesus said. Tout ce que tu abandonnes. All that you forsake. À cause de lui. For he said. Il n'est pas infidèle. He is not unfaithful. Il va te récompenser. He shall reward you. En te donnant cela. Et tu as décidé de laisser tout ça. And you decided to leave all this. Et que toutes ces choses-là, and all these things, c'était des choses qui te faisaient vivre. It used to give you pain. Et aujourd'hui, tu penses que tu étais mieux. Today you think you were better sans Jésus. Without Jesus. C'est un mensonge de Satan. It is a lie from the devil. Il m'a dit de te dire. He said I should tell you. Il y a une récompense pour le juste. There is a reward for the righteous. J'ai dit il y a une récompense pour le juste. Daddy, dans mon service, tout le monde fait ça. In my working place, everybody is doing that. On est
les choses bizarres à rentrer. We have strange things to come in. Il dit si je fais un seul coup. He said if I just one hit. C'est 10 millions. It's 10 millions. Je dis mon fils. Told him my son. Tu auras 10 millions. You'll have 10 million. Mais est-ce que Jésus sera content? But shall Jesus be happy? Dans la bénédiction de l'Éternel. For the blessing of the Lord. Enrichi. And riches. Et ne se fait suivre. And is not followed. Toute prospérité qui amène le chagrin. Every prospérity that brings about sorrow. Amène un enfer. Takes to hell. C'est pourquoi David a dit. That's why David said. Sans avoir un peu de pain dans la terre. Better to have little bread in peace. Tout avoir abondance de richesses. Have abundance of riches. Et ne pas avoir une bonne santé. And have a good health. Et ne pas être tranquille. And not be quiet. J'ai dit mon fils. I told him my son. Refuse la proposition. Forget about that proposal. Il dit daddy. Say daddy. 20 ans de travail. 20 years. Je souffre. I'm suffering. J'ai dit mon fils. Told him my son. Tu sais pourquoi tu souffres? Do you know why you're suffering? Parce que cette occasion ne s'était jamais présentée. Because this opportunity never presented itself. Car il est écrit. For it is written. Je n'ai celui qui me honore. He that honors me. Tu n'as pas encore eu l'occasion d'honorer Dieu. You've not yet had the opportunity to honor God. Attirer son honneur. In order to draw his own honor. Sur ta vie. Over your life. J'ai dit mon fils. Told him my son. Voici l'occasion de changer ta destinée. Here's the opportunity to change your destiny. Honore Dieu. Honore God. Honor God. Refuse God. Ça. Refuse Refuse ça. It. Honore Dieu. Honor God. Ces choses qui vont rentrer là. These things that we enter. Vont détruire la vie de plusieurs. Honore Dieu. Refuse ça. Honor refuse God. Ça. Refuse it. Amen. Il m'a dit. Told me. À cause du livre Loyauté et Déloyauté. Because of the book Loyalty and Disloyalty. Ta parole. Your word. C'est la parole de Dieu pour moi. It's the word of God. Papa, je refuse. Daddy, I refuse it. C'est même pas par prophétie. It is what it was not out of prophecy. C'est ma prière sur la parole de Dieu. I was using the word of God. Il ne faillit jamais. That never failed. Tu ne déçois jamais. I never disappointed. The Bible says, le ciel et la terre passera. Heaven and earth shall pass away. Mais ma parole, but my word, ne passera pas. Shall never pass. Il dit, elle a été éprouvée sept fois. It has been tried 7 times. Et elle est sortie pure. And it came out pure. Tu n'entends pas ton amen. I am not hearing your amen. Il dit, j'ai élevé ma parole et dessus mon nom. He said that my word above my name. Même pas 2 mois. Not even 2 months. On l'a nommé. He was appointed. Le chef de ce service. Head of department. Avec des avantages bizarres. With strange advantages. Et je lui ai dit, mon fils. I told him, my son. Est-ce que tu as vu mon Dieu? Have you seen my God? Il dit, papa, je suis déterminé. Say, daddy, I am determined. Tous ces voyous dans mon service, là, je vais les attraper un à un. I will catch them one. J'ai dit, opération attrape et attrape. There is a reward for the righteous. Si c'est à cause de Dieu, if it is because of God, que tu as refusé ça ou ça ou ça, refuse this or that or that. Dieu dit, God saying, que lui-même il prend la responsabilité, take the responsibility, de te le rendre, to give it back to you. Amen. Quand Dieu m'a appelé, when God called me, il m'a isolé. He isolated me. J'ai tout perdu. I lost everything. Et c'était compliqué. It was difficult. Mais ce passage, but this passage était ma consolation. Was my comfort. Parce que je savais, because I knew, que ça allait être comme ça et comme ce sera demain. That it would be like this and like it would be tomorrow. Et tout ce que je n'ai pas pu obtenir, and whatever I was unable to obtain, aujourd'hui, today, si je ne l'ai pas, if I don't have it, c'est que je ne veux pas. That means